qui est-ce qui touye Jovenel Moïse? En fait, pour me plus précis, qui est-ce qui pesait gâchette touye Jovenel Moïse? Presque nous tous d'accord par rapport à sa information, je dis, c'est mercenaire colombien. Qui est-ce qui t'est engagé mercenaire colombien, yo? Information officielle dit clairement, yo dit lui-même, c'était compagnie, c'était Miami, une compagnie sécurité, qui t'est engagé, yo. Côté compagnie, ça. Pour qui ça? Non, compagnie, pas jamais cité dans l'affaire, ça encore. Côté Arcangel Pretel, associé, maître compagnie, qui c'est Entriago, américain d'origine vénézuélienne, côté Arcangel Pretel passé, lui-même, quitter et aller directement en Colombie parce que son Colombien lié en Colombie le Gabriel Pérez, c'est lui-même qui était engagé Capador pour lui-même t'est engagé mercenaire colombien. Côté monsieur, deux éléments fondamentaux, c'était Miami, Arcangel Pretel qui gagne lien lui-même avec pays États-Unis, non yo pas jamais cité. Bienvenue sur Channel Pierre Richard Midi. Dans un petit moment, nous pral analyser lien entre la Colombie, Haïti et puis États-Unis dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Qui est-ce qui est bien placé actuellement pour aider et élucider le dossier ça? Mario Palacios qui Jamaïque, nous soit dit ça fait démagogie, nous dit besoin et vous et bah nous pour nous avoir une information en plus. Sami Randall, bien évidemment, non le cité, faut venir répondre à une question, ou bien Arcangel Pretel. Mercenaire colombien, yo, dit que c'était Miami, yo dit c'est Arcangel Pretel. D'ailleurs, les mercenaires colombiens, yo, qui étaient caïcotés, étaient cachés, après la police fin touye et chef, yo, Capador, yo, les venant nuit, y'a caché dans l'ambassade Taïwan, yo, dit que, dans le téléphone, t'es gagné Arcangel Pretel avec yo dans téléphone qui t'a dit yo ré caché dans l'ambassade Taïwan et que États-Unis ambassade américaine a bouillé bako. Nous te songe ça. Pour qui ça FBI entré Haïti débarqué ka Jovenel al avec un pile document yo vinn aider résoudre enquête là nous pas jamais tendez yo encore. N'a pas rappelé Arcangel Pretel c'est un ancien agent fédéral selon toute information qui collaborait avec Edie etc. C'est pas celle lui-même. New York Times parlait tous deux et Joseph Badiou. Moi j'ai une théorie. N'ap d'accord, le fait que chef et mercenaire souterrain à savoir Capador et une enfant Rivera ont mouri. Donc moun qui t'a gagné lien tout détail direct avec c'était Miami yo, yo pas là encore. Qui est-ce qui capable ban une bonne explication sur comment compagnie ça a été arrivé impliqué dans dossier ça, c'est Arcangel Pretel avec maître compagnie. Bagala tellement facile, et Antonio Entriago qui c'est maître compagnie, monsieur seulement à travers avocat, voyez dans la presse mon cher, m'pas au courant rien non, associé menan Arcangel Pretel son piège, m'pas jamais connait que t'es gars faire assassinat président et nous t'es engagé ti monsieur yo ancien militaire pour aller question pour question sécurité. Peut-être que c'est vrai. Mais trop facile tout, un président mouri, un pour mettre compagnie qui engage moun ki touye lyo, seulement arrêter le dit oui, nous pas connait et c'était et puis bah la fini là. Alors que associé là pour que j'aime gagne un avis de recherche encore une fois, pas j'aime gagne un mandat ou notice rouge et Interpol pour chercher. Est-ce que Arcangel Pretel n'a pas fait exprès bien dit pas fait exprès lui recruter non seulement des anciens militaires colombiens qui ont lié avec États-Unis, lui-même lié avec États-Unis, lui passer à travers une compagnie sécurité qui sous territoire américain qui c'était Miami, non exécution contrat, faire mettre jacket après les CDIE qui finalement suffisamment mouillé américain dans dossier ça qui vient obliger et américain à protéger ancien agent yo et du coup l'âme dans théorie et du coup tellement mouillé à travers éléments ça yo obligé kounia dans enquête là à faire chauffrette. Ça veut dire yo gen des éléments sous monde qui touye Jovenel Moïse yo car te dit que c'est FBI qui te ba yo éléments qui compromettent Claude Joseph mais comme yo mouillé yo dit bien c'est président nous c'est la caille nous régler cause nous mais ça moins gagné sous nous comme moun ki assassiné président nous,
Si qu'on y a, nous gué malè, nous l'on mène au CTU Miami, nous l'on mène à Kangel, prêtel, qui gué lié avec moi, eh bien, ça m'a eu un sou nous yo, m'a bjis la gué ou j'en ou y a, laissé à tout moun nan chou. En tout cas, c'est une hypothèse. Mais franchement, m'pa ouè aucune raison encore, pour, bien évidemment, moi dit, l'État haïtien, pas aucune nécessité, pour yon mandé pour Akangel Pretel, ni pour yon mandé pour CTU Miami, puisque c'est eux même qui t'engagé yo. Depuis en l'air, yon nan moun qui impliqué fond nan bagay sa, voye la boue sous États-Unis. M'di voye la boue parce que encore après dit, même ça m'di pensé ya. Moi été convaincu, États-Unis pas impliqué dans bagay sa. Tout le monde complot pour tous les Jovenel Moïse. Je n'y crois pas. Et m'di expliquer pour qui ça. Assassinat sa a qui trop faille. Les gens trop erreur, les gens trop bévu la donne pour nous imaginer les États-Unis comme si ça nous tenait un bagage comme ça. Il va pas passer comme ça. Il va passer pi bien et nous va bien qu'à soupçonner. Qui intérêt États-Unis pour nous entouiller et Jovenel Moïse et puis encore pour nous passer à travailler une compagnie qui est sur le territoire là. Pour nous utiliser un ancien agent qui est facilement identifiable. Que tout le monde dit oui, c'est Akangel Pretel. Comment pour États-Unis t'as fait un bagage ça pour qu'il y a pour un monde qui parle cajoler les lieux ben c'est néo t'as pris le oui c'est une opération d'IE pour t'as quitté deux haïtiens deux américains d'origine haïtienne qui n'a dossier là qui était ancien agent ça pas gagne aucun sens à mon avis encore je le dis pas quoi et y en a un bagage ça cependant est-ce qu'il y a un lien là-dedans? Oui, parce que, évidemment, Akangel Pretel sans doute fait exprès pour protéger propre tête li. Li implique indirectement autorité américaine à travers lui-même qui c'est ancien agent. Et puis plusieurs autres éléments encore qui viennent compromettre États-Unis d'une certaine manière parce que n'a dit que plusieurs anciens militaires colombiens étaient formés par Pentagone et une formation militaire. Donc, moi-même, moi dis encore, c'est un complot haïtien. Parce que la police pas font balle et enquête la biaisée, image caméra sécurité disparaît, madame Jovenel Moïse est vivant, elle a passé mon bêtise, petit Jovenel Moïse a passé mon bêtise, Léon Charles à l'ambassade de Haïti, OEA, Claude Joseph a proposé et là lorsque l'ité chef, seul grand chef après assassinat Jovenel Moïse, il pas jamais cité nom à Akangel Pretel, il pas jamais demandé et pendant le temps ça fait étranger. Oui, au moins même mon chef pas bon menti et moi-même qui fait arrêter Andal, demandé pas la science mais côté Akangel Pretel ti bluffeur. Ti cervel wot kokobé égaré et tant que ti gang, tant que Claude Joseph, l'a passé dans bêtise ti gang pareil, cervel wot bekeke begou Haïti, mais moi-même même si je suis un super génie, je suis assez intelligent pour comprendre que si Claude Joseph a fait un bagaille, première intervention que tu as fait, c'est demander aux États-Unis chercher cool qu'on est côté Akangel Pretel et voyer Bayou Haïti. Et deuxièmement, poser question, voyer mandat par compagnie CTU Miami qui même t'es impliqué et engagé dans le scénario. Ça n'a pas jamais fait. Donc c'est pour me dire non. La Colombie qui dit oui, la Colombie voyait sur Haïti, voyait sur Jovenel, moi je n'en crois pas non plus. Ok? M'pas comment pour Colombie t'a fait utiliser ancien soldat encore, qui venait avec photomat dans mes téléphones, qui n'a téléphone avec famille chaque jour, qui achetait billet avion dans compagnie aérienne pour voir qu'il vient en Haïti, pour ce gouvernement qui t'a voué tous les Jovenel. Et par contre, ça, opération, ça, au fait. Si opération clandestine, vous t'a pris des anciens mercenaires, d'anciens militaires, dans l'autre nationalité, qui n'a aucun lien avec eux, ils ont pas d'avoir passé, ils ont pas d'avoir voyagé dans avion et compagnie aérienne, ils ont voyagé dans jet privé. Ils ont pas d'avoir checké sous frontière, ils ont pas entré dans l'équipe avion mondial là. Donc pour moi, complot encore même les liens impliqués d'autres nations, mais c'est un complot haïtien. Et l'éclair que encore une fois, Ariel Henry, gouvernement qui l'a, ni sacté la sous Claude Joseph là, c'est même démagogie, nous pas jamais qu'on s'acte passé avec assassinat Jovenel Moïse parce que Martin Moïse pas de droit libre, Ariel Henry pas de droit premier ministre, Claude Joseph pas de droit en liberté, Léon Charles pas de droit en liberté. Et caméra sécurité, peut pas essayer de guetter pour image yo. Même si pour téléphone Jovenel Moïse, relevé téléphonique, te doit faire. États-Unis, Colombie, Haïti, c'est un triangle fragile. Mais complot li fait là en Haïti. Est-ce que qu'on y a, en termes d'organisation mafieuse, li implique la Colombie, comme si, si c'est question de droit, li implique d'autres pays, c'est possible. Mais de façon officielle, non, 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 non.
Bagala, c'est l'Alfred, c'est Claude Joseph, c'est Léon Charles, c'est Ophélia Vincent, c'est Michel Martelly, c'est Kiko, c'est Sophia Martelly et consort Martin Moïse, c'est Octuie Jovenel. Il ne va jamais me connaître parce que c'est eux qui contrôlent l'appareil qui a mené l'enquête là. Américains ont fait intervention. Non seulement, m'ont toujours été quoi, m'ont savoir si intérêt par, m'ont dit des débuts au début. Ils vont pas négliger pour eux. Qui intérêt au bout là, c'est éviter que Bagala salue parce que, à Candiel Pritel, salue sale noyau, parce que il est lié avec eux, il fait tout ça possible pour simer des pièges. Pour le faire, nous comprenons que comme c'est un dollar, américain l'a donné, mais si américain l'a donné, grand lié avec américain, c'est à Candiel Pritel, pour que ça ne va jamais venir. Pour que ça l'état ici, par exemple, Mandel. C'est une théorie, mais nous comprenons pour qui ça. Il va jamais checker à Candiel Pritel. Je vais demander à Candiel Pritel, eh bien, ça que, sans doute, américain, sans doute, jouer une souille dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il va le faire, il va le paraître dehors, tout le monde va le voir, il est obligé d'entrer dans le coquille. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt, tout, puisque c'est eux-mêmes qui étaient engagés à Candiel Pritel. Son dossier compliqué, mais encore une fois, on green barrier pour une gamme. Affaire, nous connaissons qui est le monde qui Jovenel Moïse. Est-ce que le combat est fait en Haïti? Je ne sais pas, ça va jamais exister. Nous connaissons qui est-ce qui est violé le monde dans Rancho? En réparation, en fait. Nous connaissons qui est le monde qui est Jean-Dominique? En réparation, en fait. Nous connaissons qui est le monde qui est trouvé Jean-Dominique? Jovenel te dit, madame, ni qui te gagne une vidéo sur téléphone, ni Martin Maurice, c'est Sylvesta. C'est un pays où l'impunité est devenue une culture. La culture de l'impunité. Ok? Étrangers, vous avez gardé nous, vous avez occupé nous parce que c'est là qu'il y a nous. Gen bagay yo gen yo kebe yo, pou yo fè nou chantage, pou yo fè nou marche tankou e jiwet, mais après ça, kite mele avec nous. À bientôt, mesdames, messieurs, sous Chanel Pierre Richard Midi pour d'autres vidéos.